Merci Elisabeth. Witold Lutosławski, un grand compositeur polonais, dirigera ce soir à Pleyel l'Orchestre de Paris avant de se voir conférer par Jacques Lang les insignes de commandeur des arts et des lettres. Un reportage de Georges Bégout. Lutosławski est le compositeur polonais le plus important de son époque. Son œuvre a depuis longtemps franchi les frontières. Aujourd'hui, la reconnaissance officielle de l'État français est largement méritée. Il l'apprécie comme un ami de longue date de notre pays. C'est certainement un très grand honneur pour moi, et surtout que ça vient du pays auquel je dois beaucoup, parce que la musique française que j'ai connue depuis mon temps d'enfance était une très importante leçon pour moi en tant que compositeur. Vous êtes polonais, un polonais qui a vécu toute son existence dans son pays, qui y a travaillé, qui l'aime profondément. Aujourd'hui, ce pays vit les difficultés que nous savons. Comment les vivez-vous vous-même, artiste et homme polonais? Ah, mais écoutez, de nouveau de la politique. Ayez pitié de moi. Je vais rester dans le monde de la musique au moins jusqu'au concert de ce soir.